merci et avant tout à toute l'Église que notre Seigneur Jésus a voulu sans tâche, ni rire, ni rien d'elle, mais sainte et immaculée. Éphésiens 5, 27. Vous rendez aussi un noble service à vos camarades jeunes, fils et filles de cette Église. Je pense surtout à ceux et celles qui quittent l'Église catholique et accourent vers le mouvement qui les réveille, parfois faute d'encadrement et de formation. Chers participants à ces assises, ça a mené. Voilà les principaux mots que nous avons réunis et nous remercions encore le directeur général de son mot. Comme c'était annoncé, après le discours inaugural, je m'appelle la générale, là ça présente à M. Daniel Joseph. Nous allons dérégler qui quand il va y aller. Nous sommes l'abbé Joseph est là. Est-ce qu'on peut quand même l'acclamer, la donner, puis la choisir? Je dis que nous sommes contents qu'il soit là celui qui nous parle. Yamou, c'est pas là, c'est ce qui est.
Attention, il y a quand même l'origine du groupe.
Alors, la troisième chose, c'est donner quelques principes. Donner
à 7 heures des états généraux, donner quelques principes. Le premier principe, c'est le principe que j'appelle la fidélité à l'origine. La fidélité à l'origine. Quand même, dans l'Église, il y a des nouveautés, quand bien même il y a, mais on retourne toujours à la source. Pardon, vous venez d'intervenir, et c'est l'ouverture des états généraux du groupe K après les 40 ans. Peut-être vos impressions par rapport à l'organisation des états généraux. En tout cas, je félicite les organisateurs des états généraux de K. Une œuvre pastorale a toujours besoin de s'interroger sur elle-même et de regarder les défis en face et d'envisager l'avenir. Ces états généraux sont un moment important pour que le groupe K qui vient de fêter ses 40 ans puisse examiner aujourd'hui quelle est sa fidélité par rapport à l'origine, mais quel est aussi le degré de son inventivité et de sa créativité par rapport aux défis de l'heure. En tout cas, nous souhaitons une très bonne session à tous les participants et nous espérons que ces états généraux apporteront du bon fruit, du fruit qui demeure pour la croissance du groupe K, pour le rayonnement du groupe K en vue d'une éducation intégrale de nos enfants. Le groupe K, il faut le dire et le redire, c'est une pastorale pour l'encadrement des enfants dans une perspective d'éducation intégrale. Éducation spirituelle, éducation civique, morale, éducation technique, éducation humaine, pour avoir des hommes et des femmes utiles à la société et à l'Église. Voilà. Un bel avenir au groupe K et des bons travaux pour ceux qui participent aux états généraux. Merci, monsieur l'abbé. Le membre du groupe Kizito Anwarite de l'archidiocèse de Kinshasa se sont retrouvés aujourd'hui, le 16 janvier 2020, au sein du collège Saint-Raphaël pour un atelier où il y a les états généraux du groupe Kizito Anwarite qui a été lancé aujourd'hui même et qui prendra fin le samedi 18 janvier, toujours au collège Saint-Raphaël de l'Umété. Pour la première journée, la journée du 16 janvier 2020, c'était une journée de lancement officiel des activités ou des états généraux du groupe Kizito Anwarite. On avait débuté par le mot de circonstances ou d'ouverture de M. l'abbé Michael, qui est le mapera général du groupe Kizito Anwarite. Dans son mot, il a commencé par remercier tous les participants, les assistants, les encadreurs, le CP et les K, et surtout les mapera qui ont pris part à cette grande activité qui réunit tous les membres du groupe Kizito Anwarite. Il y a eu intervention de 3 orateurs après le mot d'ouverture de M. l'abbé Michael, le mapera général. Il y a eu l'intervention de M. l'abbé Joseph Ndenda, qui est le secrétaire exécutif de la Fondation Kizito Anwarite. Il a essayé un peu de nous parler de la Fondation, les objectifs poursuivis par la Fondation et qu'est-ce qui compose la Fondation Kizito Anwarite et comment faire pour adhérer ou devenir membre de la Fondation Kizito Anwarite. Après, M. l'abbé Joseph Ndenda, qui est le secrétaire exécutif de la Fondation Kizito Anwarite. Le deuxième intervenant, c'était M. l'abbé Bienvenu Ndombe. Pour lui, le thème était juste un témoignage, comment il a connu le groupe K, comment il a intégré le groupe K. Et il a vécu les 10 ans du groupe K, il a vécu les 20 ans du groupe K, il a vécu les 40 ans du groupe K. Il a essayé un peu de donner son témoignage palpable pour nous faire voir c'est quoi les groupes K et comment travailler comme mapera, comme assistant spirituel, comme encadré, comme CP dans les groupes Kizito Anwarite. Dans son mot, il a plus insisté que les groupes appartiennent aux enfants. Nous sommes là pour encadrer les enfants et on n'est pas là pour gérer les problèmes des encadrés. Ça n'est suivi après lui l'intervention de M. l'abbé Léonard Santé, qui est le cofondateur du groupe Kizito Anwarite. Et avec lui, c'était vraiment terrible. Il a parlé de principes
de principe du groupe Kizito Anwarite. Et qu'est-ce que l'Église attend du groupe Kizito Anwarite? Que devons-nous faire 40 ans après? On doit rester fidèle au principe du départ ou on doit amener quelque chose de nouveau en gardant l'originalité. En bref, et c'était ça, c'était très bien le lancement des états généraux du groupe Kizito Anwarite qui a débuté aujourd'hui le 16 janvier et demain on va continuer les 17 et les 18 janvier sera la clôture des états généraux du groupe Kizito Anwarite. Lisanga ya bakizito Anwarite ya archidiocèse de Kinshasa elingeli bongo penza une série de sessions de yaba atelier otobengi bongo ba états généraux après avoir après qu'organiser messe monnaie et à 41 groupe K au Isalema Kibongo Nangambo ya paroisse Marie Auxiliatrice Isalema Kibongo le 21 décembre Missa Manen au Kambama Kibongo Natata épiscopo Alukumu cardinal Fridolin Ambongo Bongo Penza Mbela épisama qui te la état généraux et Kosalema Bongo na botali Penza le lenge kani groupe Kizito Anwarite te zali kotambo ya nakati en sud-ouest ya Kinshasa nakati ya diocèse et sous ya RDC pe groupe qui est commis déjà international et bimine à Londres na Bruxelles pe na Nikilindenge na ndenge ba ancien Kizito ba ancien Anwarite bazali komema penza lisanga mosika pe commis international bongo na makanisima na pe na bolandi pe omeli ya tata cardinal Fridolin Ambongo ameka ki pe konyata pe ko beta mo sete wana na bolobite to komona peut-être na Kinshasa a jezali déterminé à bayaya kasi kota na ba fin fond na biso kaka na kati ya Congo okomona mayema ko sale makuna mako kende molongo te mbele tena initiation Kizito Anwarite pezala ki inquiétude ya ye kotuna boni boni to sala 40 ans après est-ce que to garde penza rythme kaka wana to garde identité bon na makanisima na penza pe mapera général o ya sikabe Mikael ayeb sa ki biso déjà na suka ya misama na te na mikolomizali koya to ko za na ba état généraux pote to vanda total alisanga to sala boni boni nini esengeli to bongisa pe to moni wana bande kwa fondation déjà initiation ya sike ebimi ebimi pe kaka na kati ya makanisi ya ma ba nouveau to to komi komona na mokili. Bon pe biso bo ba Christ esengeli to meka pe ko améliorer te kotala nini ya sika o ezali malamu ekosunga pe pote bana ba mona yango kaka na libanda te kasi na kati pe ya formation to pe sa bango ezala bisale lisutu pe to mona ba internet to makamu ndenge na ndenge wana e ezala eloko ya sika te tango makomona yango libanda kasi soki biso ba encadre ya bango to lakisi ba yango na ndenge esengeli bango pe bakosalela yango malamu. Bon ba etage généraux groupe Kizito Anwarite et banda ki lelo le 16 te kosuka le 18 janvier 2020. Mokolo mwa lelo ezaki penza mokolo mwa yambo. Mokolo mwa ezalaki mapera general te tofungoli lancement ya ba activité ya ba état généraux ya groupe Kizito Anwarite. Bon na mokolo mwa lelo mokolo mwa yambo o to bandi ba état généraux le 16 janvier to banda ki liboso penza na boyo ki ya maloba ya boyambi monde bienvenue maloba ya bofungo liba état généraux esika kani abe Mikael azwaki maloba po ya ko remercier ba participants pe kotalisa biso tina ya mosala nini toye kosala oto kosala mikolo misato miye na sima ya koyoka maloba maye ya ouverti tolekaki bongo mbala moko na ba développement ya ba thème bongo tozalaki na ba thème misato na mokolo malelo tobandaki liboso na abe Joseph Ndenda oazali secrétaire exécutif ya fondation Kizito Anwarite na mate ya maye penza azwaki wana talisaki biso nini wana fondation ka mosala nini fondation ka ezali kosala fondation ka ezali wana pe mpona kosunga te komema mwa loboko na groupe Kizito Anwarite to na coordination pe na maloba maye mingi mingi penza atalisi biso te mapera général azali d'office membre ya fondation Kizito Anwarite pe atalisaki biso to sala nini moto alingi ingi ya na fondation ka esengeli asala boni boni maya sengeli kosala ba condition sengeli ko remplir
pote akoma membre ya fondation Kizito Anwarite. Na simanae landa ki bon intervention ya be bienvenu ndombe wazani pe ancien mapera général ye penza apesa ki témoignage de vie na ye. Boni boni ya inye ki na misanga Kizito Anwarite a umeni wana moni 10 ans bo seminari sende ni nye leki a vivre 20 ans basa ki ni samanae na stade tata Raphaël pe ka 40 ans azali wana. Bon apesa ki biso penza témoignage ya ye. Boni boni akamba ki groupe Kizito Anwarite peni ni sengeli to sala pote groupe Kizito Anwarite e izala penza malamu pe atalisa ki mosala ya moto na moto mapera mosana enini boni boni mapera general ako stambula pote asala mosala malamu apesa ki mwa ba technique te experience de vie na e pe atalisa ki role ya CP role ya assistant spirituel role ya encadre e surtout asenga ki na biso to ba ko se référer toujours na ba buku to zali na yango eloko epesa ka pe pas to komona ka na mbelete to kotanga ka te mikando to zali na yango moi pe to yeba malamu na bozindo groupe na biso ezalite bon moi insister ki mi na bolobite groupe Kizito Anwarite c'est plus pour les enfants to zali wana po ya kokamba bana mingi to komona pe na kata ba clan susu on gère plus les problèmes ya bayaya ke makambo ya bana to tsabana liboso quand il y a de grandes mains ko pesa bana ba responsabilité de former kabango pour que ba koka makambo ça te tout ba est-ce que bana ba koka tete to pesa bango bango de ba le kaliboso biso to za na sima na leur abi na sima abi bienvenue zaki bon troisième intervention pe zaki ya monsieur l'abbé Leonard Santé dit ou ayaki penza ko lebela biso ba principe boni boni groupe ka bon ba bandaki yango bandaki ndenge nini pe sika to ko kene ndenge nini est-ce que sengeli kaka to tika na loboko na mai bango ba bandaki tope ekoki ko mema mwa technologie ya sika ko mema makanisi ya sika kasi to bunga na initial te to tika na initiation kasi tant to mema makanisi ma sika eko sa isa pote groupe évoluer ba question pe yaki na yandenge na ndenge bandeko batuna ki aisa ki soto vivre na collégialité na bandeko ba groupe asusu bazali bandeko na biso na kati ya eklezi ya te ba boni boni ya kovivre na bango elikambo ya fidélité ya symphonie groupe katoza na symphonie to mema kakofonie te na groupe Kizito Anwarite tanto 5 si makanisi pe si symphonie nzembo kitoko kasi to evite kakofonie pote toke bate toko ya na libunga donc talaka bwe mokolo mwa yambo ya ba etats généraux ya groupe Kizito Anwarite boni boni makambo maleka ki kuna na ngambo ya paroisse ya Raphaël toko kobana binondo bizali deuxième journée pe samedi toko sisa tozali toujours wana po akokouvrir cette grande événement toujours na cadre ya bolingo ya groupe na biso tous pour un impôt.